Bon, Mathieu, bah, c'est ta compète. Ouais, c'est ça, c'est ma C'est compète. parti pour une longue épopée. Ouais, j'espère, ouais. J'espère de que ce soit pour moi personnellement, pour le groupe, pour le club, pour la ville. Ouais, ce serait bien que ce soit une belle aventure. Ça commence fort, avec déjà une belle affiche. Ouais, c'est clair. Ça change des fois des petits tirages. Là, c'est direct une belle équipe qu'on connaît bien et eux aussi. Donc non, on prépare ce rendez-vous du mieux possible pour bien démarrer la compète. Toi, à titre perso, comment tu traverses cette nouvelle saison en qualité de doublure? Bon, un peu comme l'année dernière, hein, je bosse, je donne tout ce que j'ai à donner pour l'effectif. Je me tiens prêt, même si là j'ai eu un petit pépin en fin de l'année, mais non, mais je me tiens prêt, je bosse, on bosse bien. Voilà, pour être prêt à suppléer comme l'année dernière s'il y a besoin. Il n'y a pas des moments où tu ressens une certaine lassitude, bosser toute la semaine et puis finalement d'être sur la banquette le jour du match, ou est-ce que tu es maintenant habitué? Si, tous les jours. Tous les jours, tu peux avoir des coups de mou, de la lassitude, comme tu dis. Mais voilà, tu choisis. Quand tu choisis de rester, de vouloir participer à une aventure, ben moi j'ai toujours parti pris de participer à fond dans ces aventures. Je pense que jamais quelqu'un a eu à se plaindre de moi là-dessus, au contraire. Et voilà, quoi, j'essaie d'apporter mon expérience, mon vécu et puis mes qualités sur le terrain pour aider au mieux possible. Non, on est dans un projet où on est vraiment à fond dedans. Comme l'année dernière, si j'ai envie de dire, où tout le monde est dans le projet, tout le monde se bat tous les jours d'entraînement, il n'y a personne qui dévie, même ceux pour qui c'est plus dur, qui sont rarement dans le groupe. Je pense que le groupe de 24-25 qu'on a lâche rien tous les jours, et c'est pour ça que le début de saison a été prometteur, on va dire. Il n'y a pas un mercato, que ce soit celui d'hiver ou celui d'été, où tu vas te dire, bon, voilà, je vais peut-être aussi avoir envie d'aller m'éclater sur le terrain en compétition et passer à autre chose, même si tu te sens bien ici, même si le projet te plaît, à un moment donné, tu as peut-être aussi envie d'aller croquer des émotions Ouais, sur bah le terrain. écoute, c'est ce que j'ai fait en venant ici hein, en 2019. C'est où j'ai fait 2 saisons complètes et puis après il y a eu cette blessure. Et puis non, mais après s'il y a 1 an et demi, si au moment de l'arrivée d'Arthur, l'arrivée du nouveau staff, j'avais senti que ça me plaisait pas et tout, je serais parti. Hein. J'aurais pas cherché à forcer. Là, c'est pas que je cherche à forcer, mais c'est que j'ai tout de suite senti que le projet pouvait donner quelque chose. L'ambiance a tout de suite été bonne, et puis tu sais, des fois tu vas chercher surtout à mon âge, tu vas chercher à vouloir t'amuser à jouer ailleurs et tu vas tomber dans des bourbiers à tort ou à raison, hein, mais voilà, là c'est mon choix, et puis j'ai toujours fait les choix en allant à fond dans mes choix. On pense par exemple à un Baligeon, tu vois, qui est un peu plus âgé que toi quand même, mais voilà, qui joue encore à 40 ou 41 ans en Ligue Ouais, 1. bah après on sait pas, hein. Peut-être que je finirai en Ligue 2 ou National et que je jouerai à 40 ans. Franchement, je sais T'en as pas. envie? Je sais pas, franchement, je sais pas. Mais non, non, je prends chaque jour avec la meilleure énergie possible, avec le maximum de plaisir possible. Et puis même arriver, moi, je suis pas vieux, hein, mais t'as envie quand même de progresser, d'aller au maximum de ton potentiel tous les jours. Avec le recul, j'allais dire du vieux sage, mais du sage, que tu es, comment tu as analysé la première partie de saison du Rock? Bah, comme je t'ai dit, prometteuse, entre guillemets, où je pense que peut-être à part à Marseille où on a un peu passé au travers, je pense qu'il n'y a pas un match. Si, bah, il y a Lille à la maison, mais Lille, je le mets entre guillemets parce qu'ils ont vraiment été au-dessus de nous sur ce match. Mais sinon, je pense qu'on a gêné vraiment toutes les équipes. On aurait pu avoir quelques points en plus. En étant un peu plus réaliste, mais je pense qu'on a monté beaucoup de solidité, de solidarité, un peu comme l'année dernière. On est un peu sur le même credo, et puis voilà, faut réussir à être un peu plus tueur devant, en gardant cette stabilité derrière qu'on a, et puis pour pouvoir faire une bonne deuxième partie de saison.
Simplement, toi qui côtoies Arthur au quotidien, comment t'expliques sa très bonne première partie de saison? C'est que la dernière fois qu'il avait eu l'occasion d'évoluer en Ligue 1, ça avait été compliqué pour lui. Là, il est plutôt brillant. Comment tu le sens, toi, au quotidien? Ah bah moi, je le sens, je l'ai senti bien évoluer depuis 1 an et demi où il a fait voir l'année dernière sur les matchs importants qu'il a su être décisif. Il a eu la chance, entre guillemets, aussi d'être bien protégé sur pas mal de matchs. Ça aide quand on est gardien. On sait que quand on a un bloc devant nous qui nous protège bien, c'est un peu plus facile. Et puis, il a travaillé fort, il a travaillé. Ça, c'est tout le mérite est pour lui. C'est que c'est un bosseur. Il a pris. Il prend tous les jours ce que Nico lui offre, ce que les prépas lui offrent, ce que moi aussi, de temps en temps, je lui dis. On discute souvent des situations après les matchs. Et c'est pas le fruit du hasard s'il sort de 6 mois de haut niveau, quoi. Donc, c'est pas une surprise non plus. Il évolue bien. Je pense qu'il a encore une belle marge de progression, comme toute l'équipe. Je pense qu'on peut, si on lâche pas, aller un peu plus haut.